préciser que le dialogue a un objectif, a des objectifs précis et des buts précis. L'un des buts du dialogue national intermalien, c'est de faire l'état des lieux des problèmes au niveau communautaire, régional et national et apporter les solutions appropriées. Le deuxième, le dialogue va nous permettre de contribuer à enrichir l'élaboration de la loi organique de la nouvelle constitution. Donc, le dialogue n'a pas pour objectif ni de proroger la durée de la transition, ni de permettre aux autorités de la transition d'être candidats, et ni d'amnistier les colonels. Et donc, c'est en cela que je vais intervenir en apportant des précisions que la prolongation est déjà un acquis. La candidature du colonel Assimi Goïta est un acquis. L'amnistie des 5 colonels est un acquis. L'institutionnalisation des forces armées et de sécurité est un acquis. Et nous allons expliquer pour que les gens sortent des faux débats. À ce titre, certaines propositions témoignent d'une méconnaissance coupable des dispositions pertinentes de la Constitution du 22 juillet 2023. D'autres sont en lien avec la méconnaissance des lois déjà promulguées par le président de la République, le président de la transition, le président de la République. Quand nous constatons la proposition faisant état d'amnistier les 5 colonels, je rappelle ici que les colonels ont été doublement amnistiés à travers des projets de loi votés par le Conseil national de transition et promulgués par le président de la transition. Donc cette proposition n'a aucune valeur et ça n'a pas de sens parce que c'est déjà un acquis. Deuxième proposition qu'on entend très souvent, il s'agit de réviser la charte pour permettre aux autorités de la transition d'être candidats. Nous disons ici que cette proposition est gravissime et alarmante, car les inéligibilités de la charte sont irrévisables selon la charte elle-même. La question de la candidature des autorités de la transition est définitivement vidée par la Constitution du 22 juillet 2023. Le décret de promulgation numéro 2023-0401 PTRM du 22 juillet 2023 a consacré la nouvelle Constitution en tant que seule loi fondamentale du Mali. L'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution a comme conséquence que la charte et la constitution de 1992 sont tacitement ou implicitement abrogées. La nouvelle constitution est d'application immédiate et ne saurait souffrir de contrariétés avec d'autres normes au sein de l'État. C'est dans le but d'éviter le vide juridique que la charte et la constitution de 1992 bénéficient d'un régime de tolérance qui se manifeste par survivance de certains de leurs résidus juridiques, constituant provisoirement à produire des effets en tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec la nouvelle constitution. Ceux-ci sont résumés dans les dispositions transitoires des articles 189. Les articles 189 et 190 de la nouvelle Constitution qui autorisent certaines dispositions non contraires de la Charte et de la Constitution de 1992 tacitement abrogées de continuer à produire provisoirement des effets. Au regard de l'article 189 et du principe de son effet immédiat, la nouvelle Constitution dispose d'une force d'abrogation d'une force abrogatoire implicite de toute norme constitutionnelle ou infraconstitutionnelle antérieure qui serait contraire. Les inéligibilités de la charte
relative à la candidature présidentielle et qui frappe le président de la transition et les membres du gouvernement de la transition tombe sous le coup de la force abrogatoire implicite. Je répète. Les inéligibilités de la charte relative à la candidature présidentielle et qui frappe le président de la transition et les membres du gouvernement de la transition tombent sous le coup de la force abrogatoire implicite. Ces dispositions étant en porte-à-faux avec la nouvelle constitution, elles sont de fait frappées de caducité, donc elles sont nulles et de nul effet. La constitution de la 4e République et la loi électorale en vigueur demeurent les textes d'organisation du scrutin présidentiel. Donc, subordonner la candidature de Assimi Goïta à une révision de la charte alors qu'une telle révisée n'est même pas possible, cela nous conduit à une impasse juridique qui ne nous apporte absolument rien. Ça veut dire que cette proposition n'a pas sa raison d'être. Et pour être clair, la raison du dialogue n'est pas de faire de Assimi un candidat. Il est déjà candidat s'il le veut et toutes les lois lui permettent. En ce qui concerne la proposition relative à la prolongation de la durée de la transition, cette proposition est un autre faux problème qui ne doit plus nous divertir puisque la nouvelle constitution a déjà tranché en disposant à l'article 190 que les institutions restent en place jusqu'à la mise en place de nouvelles. Cela signifie tout simplement que la constitution laisse à l'appréciation des autorités de la transition le timing de cette mise en place, y compris le processus électoral auquel il renvoie. En d'autres termes, les gens ne se rendent pas compte que la transition en cours est une transition constitutionnalisée, en ce sens que la nouvelle constitution fixe les modalités de sa fin. L'article 190 met fin au débat stérile sur la durée de la transition. Ça veut dire quoi? Prolonger la transition de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, cela n'a aucun effet. Le débat est clos par la Constitution pour dire à l'opinion nationale et internationale que le dialogue n'a aucunement pour objet de prolonger la transition. Contrairement aux pseudo-intellectuels et à la manipulation politicienne disant que l'objectif de ce dialogue est de prolonger la transition. Cet élément de réponse met fin à ces questions de débat. Quatrièmement, la militarisation de la douane, des surveillants de prison et des agents des eaux et forêts. Le combat sécuritaire engagé au Mali est un combat pour la survie de l'État malien. L'institutionnalisation des forces armées et de sécurité à travers leur constitutionnalisation consacrée par le chapitre 5 de la Constitution du 22 juillet 2023 est un atout important. C'est une première au Mali. Il urge de procéder à la militarisation de la douane, des surveillants des prisons et des agents des eaux et forêts, comme cela a été fait lors de la militarisation de la police et de la protection civile. Ces agents sont aujourd'hui les premières victimes et les cibles des groupes terroristes. Et le processus de militarisation de ces corps est une question de volonté gouvernementale. Ça veut dire qu'il peut être initié par le gouvernement ou aussi par le Conseil national de transition. Donc la question sécuritaire est la fondation du développement économique, social et politique. C'est pour dire tout simplement aujourd'hui que l'institutionnalisation des forces armées et de sécurité est un atout. Ça peut permettre aujourd'hui aux forces armées et de sécurité d'initier des lois pour même faire parmi ces forces de défense et de sécurité des agriculteurs, ceux qui vont s'occuper de l'exploitation minière,
ce qui peut faire aussi des transports, ce qui peut faire ceci, cela. Il s'agit d'apporter des lois permettant de renforcer cette institutionnalisation. En conclusion, beaucoup de propositions ont leur solution dans l'application normative de la nouvelle constitution et il est important d'éviter les propositions pouvant nous amener dans l'impasse juridique. Ça veut dire tout simplement que si on applique correctement la constitution, il y a beaucoup d'éléments qui auront leur réponse. Par exemple, même la diminution du nombre de partis politiques. Il s'agit tout simplement de proposer la relecture de la charte des partis politiques en prenant des lois qui vont obliger les partis politiques à respecter la Constitution dans son article 34 qui parle des principes de la souveraineté et dans son article 39 qui parle du rôle des partis politiques. Et maintenant, ces lois aussi permettre au ministre de l'administration territoriale de dissoudre les partis politiques sans passer par la justice. Et ces dispositions vont essayer de donner plus de pouvoir à l'administration territoriale de dissoudre les partis politiques sans passer par l'administration territoriale. Et le fait de prendre des lois contraignantes sera obligé de limiter les partis politiques parce que ces lois aussi doivent être en lien avec le contrat social et les projets de société. Voilà ce que j'ai voulu dire en langue française pour informer certains de nos compatriotes, les pays de l'AES, aussi d'autres pays, que contrairement aux manipulations et aux pseudo-intellectuels qui se pavanent partout en disant que l'objectif de ce dialogue intermalien a pour objectif de proroger la transition, de permettre la candidature du colonel Hachimi ou d'amnistier les colonels, tout ceci sont déjà des acquis. Quand on a des acquis, on ne va plus à la recherche des acquis. Et ce qui est aussi sûr, que ce dialogue a pour objectif de faire un état des lieux des problèmes au niveau local, régional et même national, apporter des solutions. Et à travers le dialogue intermalien, nous allons pouvoir avoir aussi des éléments d'enrichissement pour prendre les lois organiques afin d'aller à l'application effective, sinon à l'application normative de la nouvelle constitution. Voilà un peu ce que j'ai souhaité dire. Il faut que les uns et les autres comprennent que les politiciens ou les politicards nous laissent en paix. Ce dialogue-là, c'est un dialogue intermalien. L'objectif est connu, c'est pour permettre à chaque localité de situer les vrais problèmes, de donner les vraies solutions et de faire en sorte que nous puissions vivre en harmonie dans notre pays. Je vous remercie. Ka walanwala ni fene ke kuma damado kan ambe seria ka fo bela jelenyana ni mami ma ni siki ka foin kundo siki ka foin kun akunte ko ka dofra transition kun na manaka ni odo o nyana bolendo kaba akunte ko la sa ma ka fo colonel Hachimi ka ke candidat ni o fene do o nyana bolendo kaba wa akunte fene ko ambe fe ka kodo de ke mun kadanye me jalo kun kuma ntigi liu mi
voilà ça jamana dion ou ka gela mimbe ou yere kan ou gela kase kadon wa ou yere bolo a fura emi ou fura kabo ou yere da no temena kaboe amena sera sumba kura min du bala fendo ou deba kon abe fomi ma ko loi organique c'est à dire ou fene saria sera sumba dangan saria ou mumba tu na wame bumanangan du bala sisan amba du bala chodi nango ngame ta élection député kalafilike abe do chodi ma do kangata donc wala sa ko o sariya dangan sariya na bo foma ko loi organique ko lu kono na fene ko nyedo jamana de ngwa kuna foni fe o bele ni siki ka foni ni donc be ka bli ko lola ko fem fe be ka fo siki ka fo la ko ka do fara transition ak yaka o be angolo kaban atimi ki présenté o fene la kele no kaban colonel ko ka fereke ko kure kan mun kera kun no kana mine ko fena kuma bane no kama donc amela andado olu de la kan nyefoli ke jamana dembe olu bana togodi kun jumena ni kuma mun be ka first gili sefe ko ka do fara transition kan kuma wure te mun kan ga fo me muna ma nga fo muna amuno de prepare la ke ni ga tinne ke ma do khala nyini do bena ko colonel munu kure ta kelen ko fe fanga jaso ko fe ko ka fere ke kun no mine kana kala o ni odo o bara en kera ka ba fo chien fla o sara din nana sente kono atara sente che de un fe wa president re buru no blala donc o kuma bana pe ma chichi seka sente u bien colonel nunu nora blake colonel duru tera akara fembe plana donc ko charte de la transition o mi an charte sera tumba mbambolo charte kan ko ka yelema do ola wala sa ko atimin ka te ki presenté ou bien gouvernement mo ka te ka o bolo bo fanga no fe o kuma mun fle ni e machi ba kuma badi ni re mangan ka fo re me aba yira ka fo ko ni kuma imba yira ka fo jamana de yere ta don sera tumba e kuma min fo ni kan sabula minye anga charti de la transition a ale teteka yele mable ale reko ko yele matika do ale la blé ko sobia ke constitution kurami tara menyo jetne ke minye président ka i bolobo fanga no fe ou bien premier ministre ki bolobo ou bien gouvernement ki bolobo o kuma imbana pew sera suma kura e dansi o kuma na ay dansi o kuma na ka sanga ka beni présent yere wale ya munta no ye sara sumbay ka ado bala debi sara sumbay do na bala okoro ko mali be sara sumba kelendro ne be kuma be ke minka donc mali ka ko be talike sara sumba kelendro ne ka o ye an yere ka sara sumba kurani o ore kuna na ibina ye mi nye sara sumba koroi san ba keleni keme bi konontoni fla ani mu ye charti fene abena fo ulu bora bara la pew ulu boli mun kera ba abo ulu bo ko bo bara la u be bo bara la ni mu ye constitution kura ba ira ko constitution la walali o de be ke jabu ye malien bela gele nga wa foita ale sanfe do ni fenta ale sanfe o kura ye constitution to munu be minye charti ani constitution de 92 olu koni be bla mine dɔ de kɔnɔ yafa be se ka kuma u ka taabolo dɔw la mun tɛ dankari kɛ sera sunba kura yɛrɛ taabolo la n'a bɛ f'o ma ko régime de tolérance o la komi sera sunba ko bɛɛ ma dafa sera sunba yɛrɛ fɛnɛ ko ko ne sariya sunba ne bolofara kɛmɛ ni bi seegin ni kɔnɔntɔn ani kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ne bi yamaruya di charti min bɛ yen ani constitution kɔrɔlen olu ka baara minnu bolo dalen bɛ n'a tita ne juguya la kaban n fana bɛ yamaruya di olu ma olu ka to u ka baaraw la a cogoya la donc o de la ni nana jateminɛ kɛ o sariya bi seegin ani kɔnɔntɔn ani sariya kɛmɛ ani bi seegin ni kɔnɔntɔn ani sariya kisɛ kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn olu de bɛ yamaruya di an ka chariti ma ani constitution de 92 ma u ka to ka
wala wala ka barani dɔw boloda mɛ o baara boloda ninnu o man ka taga sariya sunba kɔntoro la cogo si la ɔ o de hukumu kɔnɔna na n'i ye sariya sunba 189 n'i ye o lajɛ ani ale ka baarakɛnɔ lajɛ ale b'a yira de k'a fɔ ko fɛn o fɛn ni o bɛ sariya sunba talen sanfɛ o fɛn in tɛ se ka lawaleya tuguni o kɔrɔ ye min kuma o kuma n'o bɛ bɔ sariya sunba kɔrɔ da 1992 ta da ani min bɛ bɔ sariya da ni o bɛ ta sariya sunba kura juguya la sariya sunba kura de bɛ ta ka baara kɛ ni o ye ɔ o de hukumu kɔnɔna la i bɛna a ye sariya tun ye kumana peresidan ka kandidatiri min kan k'a tɛna se ka kɛ kandida ye ani guwɛrineman tɛna se ka i bolobɔli min bolo manabɔli min kɛ fanga nɔfɛ donc olu bɛɛ bɛ bi ji la sabula jamana sariya sunba kura o ma kuma o kan bilen donc sariya ni constitution de 92 o bɛɛ bɛ bi ji la olu tɛ se ka o kumakan ta bilen k'olu b'u kan kɔrɔta n'o ye ko peresidan ou bien guwɛrineman k'olu tɛ kɛ cɛbɔ ye bilen o kuma bɛ bi ji la ɔ n'i y'o ta k'o lajɛ o de b'a jira k'a fɔ kumakan o kumakan ni o bɛ bɔ sariya da ou bien n'o bɛ bɔ constitution da n'o bɛ dankari kɛ an ka constitution kura la o bɛ bi ji la o bɛ kɛ fu ye o bɛ t'i ɲɛna i yɛrɛ sɔrɔ ɲaman kɔnɔ o de la sisan a bɛna ye k'a fɔ nin constitution kura in ale ani an ka sariya sunba min bɛ kuma kalafiliko kan o sariya fila dɔrɔn de bɛ kuma election labɛn kan wa olu si tɛ Asimi bali u tɛ Shogel bali u tɛ gouvernement mɔgɔ si bali u tɛ CNT maa si bali olu ka kɛ cɛbɔ ye o la i bɛna jateminɛ k'a fɔ ɔ ne k'o la ko fɔ e ka sariya ka falen don o la ko walasa ko Asimi ka kɛ kandida ye e na taa sira dɔ ta sira mun tɛ tiɲɛ ye ɔ n'i dun ye sira dɔ ta sira min ye nkalon ye i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ minɛn kɔnɔ minɛn min fana bɛ gɛlɛya wɛrɛ lase an ma donc o de kɔnɔna na k'a fɔ dialogue la ko k'a to Asimi ka i bolo bɔ o kuma yɛrɛ man kan ka fɔ sa de o jaadi kuma de parce que Asimi bolo bɔlen don fanga nɔfɛ kaban a bɛ se ka kɛ kandida ye fo n'a ma yɛrɛ ja n'a y'a ja a bɛ k'a ye n'a ye Shogel ja a bɛ k'a ye n'a ye Sadio ja a bɛ k'a ye n'a ye maa o maa ja gouvernement kɔnɔ i bɛ se ka k'a ye maa si balilen tɛ bilen constitution kura ye yamaruya di bɛɛ ma ka daminɛ Asimi na fo ka taa tɔ bɛɛ la donc o de la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka na fɔ dialogue la ko ka Asimi kɛ kandida ye kuma don kuma min i bɛ se k'a fɔ mɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko a kuma bannen don a man kan ka sɛbɛn hali gafe yɛrɛ kɔnɔ sabula a kuma banna an ka sariya sunba fɛ kaban foyi dun tɛ an ka sariya sunba ni sanji n'an bɔra an bɛna fɛnɛ kuma dɔ ye ko ka dɔ fara transition hakɛya kan papa yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na dɔw ko ko ka kɛ 5 ye dɔw ko ko ka kɛ 10 ye dɔw ko ko ka kɛ 20 ye an bɛ min f'u ɲɛna hali transition bɛ se ka taa 100 na a bɛ depend kɛ cogo de la donc ka a fɔ ko transition ko ka dɔ fara a kan ka dɔ bɔ a la o kuma kɔni banna sa o tɛ kuma kun yɛrɛ bɔ o tɛ jamana o laɲini banna wa o latigɛra pepepewu o kuma yɛrɛ man ka fɔ sabula n'i ye jateminɛ kɛ jamana ka sariya sunba o kalamani 189 o ko ko jamana ka institution ba minnu bɛ yen olu bɛɛ bɛ to u nɔ la fo institution kura ka sigi o kɔrɔ ye mun ye CNT bɛ to a nɔ la fo assemblée kura ka sigi cour constitutionnelle bɛ to a nɔ la fo président kura ka sigi o conseil de collectivité bɛ to a nɔ la fo vote kura ka kɛ donc institution fɛn fɛn bɛ yen hali présidence bɛɛ b'i ka baara kɛ fo falen ka don ko la donc institution fɛn bɛ ni falen ka kan ka don a la fo o nɔrɔbilaw ka na sinɔ baara in bɛ taa a taacogo la jamana ka kalamani 189 o de b'o kuma fɔ donc o bɛ mun yira o b'a yira dɔrɔn ko constitution ye yamaruya di autorité la transition ma wagati min ka di u ye u k'o ta walasa ka kalafili kɛ kuma ma ban sariya ko 5 ans 6 mois à 5 ans nin kuma in b'o bɛɛ bi ji la ko aw sago don
auta ya kwa koi aya kwa wakati uta wakati mimi nabete ka kalaflike ani wakati mimi fene na ya don ni institution nono abese ku ubla unola okore mi mo te ka bla ukumolo de la ka don ka fo ko transition era de constitutionalisera c'est-à-dire transition era de yamariana na wa sara sumbai ko aka ke ketchu min kadai wakati min kadai aka nu ke u ketchu la na be ben chumi donc c'est le terrain qui commande maintenant ola sara sumba kuran era de kumana transition bani ana bamaliaka donc en article 190 allez be kuma beba ay do fra transition kan ay do bo transition nao ay ke santain ay ke samwa kuma bana peu allez ko ko jamana marabagaw me jamara di awma wakati min kadawi ayo ota oka barake ka election organisée au kononana institution munu mina fali CNT Sena munu mina le tang election maga ulu fali ntote kur constitutionnel bu tugula donc ni get mineke ni be ayira ka fo o article mun fene fle ale fene ko ko kuma wo kuma ni charti be malika chara suba soso barabke ni malika chara sumba di obe munira yoro charti ko ko transition delay kaba damle de 6 mois à 5 ans kalo woro kata san duro o constitution kura ko ale no fene bana ale constitution kura ya maraduma ukuka wakatuta wakati mbatu ubeteka election barake wakati mbatu institution ubeteka ile nouvelle yoro o charti kelenko kun election presidentielle kera kuma mina o transition bani o ni fene ya maraduma kafo o fene kelenedo tant que élection m'a organisé, transition te ban. Mais élection fait organiser li. Ko ou sagoni ou dongo boubolo, akake, a ketchou la don, tamouboulo. Donc c'est pour que bega fomia, mounou meka ta fo, ko dialogou kounye, ko wala sa, ko ka dofra, transition djanyaka, koube filila. Mounou fere ya proposé, proposition yana, nganya ou dedo, ka ira ka fo, akadi djamana de oube, doka fra transition ka. Mais en bête dira que sera sumba min do bala o sera sumba article sera sin kemé ani bi konoton o le ko jamana marabagauma wati be au bolo wati mi na o be se ka institution nunu bla en place donc ni bo kuma ban peu parce que kuma be na don nonde kuma anya ye kuma be kapoi wati ndola aya ye anya fo na ngo delay 6 mois à 5 ans okumi anana ya okuma tiban abuko no tuni ko chartier revisé li de bina to dobe fara de leka ay okuma bana sabula constitution sera tumba yo bampeu donc debati ni mame mbese ka ni soso ebe ni soso atemene ba kono maintenant odela kuma nana ke anga mali douaniu ani mali ose forew ani mali surveillant de prison munube kasobon la koloshi koko luke farasrasuka amanga ni kuma ere fochi efla amba seria kafo mali armée a institutionnalisera par la constitutionnalisation c'est à dire sera jamana sera sumba afene malika armée fene kaka dama bara bundai ka hake do da finema o hake nunu jamana ka arme de kanga jetune ke sisa ne be fe ka srasuta munu be ke senegalai o ya marabu bulu me fe ka srasuta munu be mobli bulke munu be barake hotelula munu be essenti feroke munu be nike munu be fe fe ka di arme biya be se ka beke inafo abeke algerie tchumi inafo abeke egypte tchumi mais au teta fo saria de kata fene oubla okumun fene kono ka barake noy donc obe autorité era de bulu maintenant ni nana jetune ke mali labi ni shube bo ni fensa wa de folola soit abe foku bina douane ko kufra
soit à me faire parce que on nous forme des frontières là, soit ma djougou mounou marale me casse là, marfa djougou boubolo, marfa djougou tigou fait même la prison attaquer, car Dakar voilà ça au cas où mettez cabla djougou, ou bien au bout de quoi qu'on a, car osé faire au fond, donc n'a manya qu'on nous ne me forme osé faire au bec quoi qu'on a, doit nous ne me frontières là, s'il vient des prisons ne me cas bandit baou la colochi, à kakan bi, on nous fait même fra, ça la souka. Kuma nun te fote ka ka dan ire kuma be foni dalude ni doani jetimine doani directeur ka la nyini kono uye unité spéciale de former bi uluka farni kabako dan o bayira ko ka doani be fra sera soukan abe an la fia barakama kono nana sirvan de prison ni jetine ke bi sera sou manasa santame ni no o sera bi. Mais si tu viens de prison, Manassa, ou de frère Manassa, ou haket ou nyo, mais ou bête mega fora fora chou kelena, ou haket douane fene, ou bête mega fora fora chou kelena, ou namanya kou bête mega jamana lakana, ou d'une vena mega lakana ni dore keyorola, est-ce que en manquant, beka fora lakana mwokan, pour que ka haket kelen di bema, ou ba tou fene, jamana yin, abese ki nyechi, otani frantika kelema, parce que kelem mena le dona nata. Aye Francia ou quoi, chef d'état-major Koro François Lecointre Mangame. Akera Santayo, Akera Samouayo, ou l'on met en bi anka, ni marfaye. Ou yen ou ka foukoumina bi anka, domina ou l'on bi anka, yen an ou ka laben doué, binan yan laben fambetin. Ni tra sirvian de prison ou labenendo, armement boubolo, ni go kibou attaque ou rebete kele la ou bikele. Ni duntodo, ni go kibike douane ou ka, douane ou fene bi kele, parce que ou sera kele la. Ni bina se ose fere ou ma, ose fere ou fene sira kele la. Donc na ye ni bela je, jemana ki anga ta ni sira nune fe. Ni ni ba to fene, jemana be se ka lakana do bala. Ose fere ba ka kongo lakana, ma gantan ware tina do kongo kono ki e mercenari, ki bi dugo dugo lula, donc depebe do kongo kono lube dankari ki la. Terrorisi djuguba fembe mana mine, al nou nana ni marfo yo koube kasubon atake, abasoro kasubon mogo, olu fene la benendo. Ikumbe. Waba to katubon prise surveillant de prison ou le bebo syndicalisme kono. Ina fo polisou kumba kono tchouni. Et surveillant de prison chama ala mitachon mano. Chamambe fan chaman fe. Meni ni mbora la. Jemana sako beke abe feka mimbla orom na wakata. Donc aba to fene hake dobe obe duma. Pati ou fene ni emta ou mwombe zomba gardi. Non mase kelela. O malabe. Ni kekero kadun ama atike tieni. Donc ni ne kama anya fo woka ulu fene militarize katoro ka fo kemana ere ka jetmineke ni menasi bamba anka ka etat dirigeanti décrété sans kelen ka fo ko mali be guerre la fanga nyesro ko la namanya parti politique activité suspana bara mi kanga tula we ka etat dirigeanti déclaré jamana be guerre de la menasi de be anka ama nyesin jamana jolima. Quand les gens ont fait mobiliser l'article 24 à Fotomina, ils ont fait des choses. Donc, les gens ont fait des choses. Ils 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 ont fait des Bekika jemana deme. Ola milisi konu nou. Oka dabla peo. Jemana ka arme droni kanka jemana deon lakana. Odun fene debe anga jemana sera sumba konu. Donk nga la nini. Ka nini nye foli ke jemana deen bela jele yana. Ka fo kou chitika ke ou kumfeti. Jemana adabo. Jemana deen mounu tigile me yoromina. Gela jimembe au kan. Abe fe mounga nyanabo. Kungo jimembe au dala. Jemana bila nini ta. Kani mbe fara nyonga, katilaka jimena ka musaka, ka alaje ni kwa munu mfole mfile nini nganga nyanabuo, musaka jolebe do ni ndafe. Uwele bato jimena fene baka birijen nata fene, etabli. Jimena deo nga sorobe kia chodi, fengi mbe, fengi mbe, mena fara kukera, nantankolo metafo dukono, ka unwa ni kwenye kinte foye, kuka dofara fangaka, ni ngano kwa na idalati, ka dofara dolo transition jayaka. Nodo ko dofara lendo uka, minka na amboke, constitution croix de Yamara di Atimima. Mais à force que Jemana Dion
ou bien mon nom fait sans ou sans ambe biljeke ame waru kla ni me duna ni me duna ni me duna dialogue ni mina to présent ka tasira mon be warbe do damon fait abe jetine comme jamana de ni la nyini amba ke chodi e jo la ka koko ou ka sirako oh non au sirako be telia ambo do biljek kono obe ke chodi jo la mogo be por sec la obe nyana bo chodi kay ka mogo be Badjika Bo Sénégal, Saint-Louis, Kana Ambidedi, Oulou Mokobe Porbaka Ambidedi.